Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir chez vous, Annie Lemoine, Elsa Fayer, Christophe Alévèque, Caroline Diamant, Stéphane Poquerin et Pierre Bénichoux. Quelle ambiance! Vous pouvez vous lever, Pierre? Oui. Ah. Caroline, est-ce que vous pouvez vous lever aussi? Elle est debout. Tout le monde va savoir, je suis un petit machin. C'est incroyable. Regardez, c'est quand même drôle. Vous avez bien remarqué. Et vous mesurez combien? C'est mignon. D'habitude, mais c'est la première fois que je m'aperçois que vous êtes petite. Pas du tout. C'est moi qui ai une très belle taille. Non, mais d'habitude, vous mettez des talons, c'est vraiment ça la différence? Il m'arrive de temps en temps de mettre des talons, effectivement. Oh, bah, pas de temps en temps, toujours, parce que je ne vous ai jamais vu aussi naine. Ah non, vraiment. Oui, mais en même temps, non, Laurent. Non, s'il vous plaît, amis du public, n'applaudissez pas, je trouve ça pas bien de la part du patronat de se moquer des caractéristiques physiques des employés. Non, ça me dérange pas, mais je vous dis ça parce qu'évidemment, si je vous demande de vous mettre debout, vous aussi, vous n'allez pas forcément être à votre avantage. Et pourquoi? Et au nom de quoi? Au nom de quoi, monsieur? Surtout à côté de notre amie Annie qui est si grande. Et si elle en sait, si belle. Mais vous allez voir, on va très très bien ensemble, Annie. Ah ouais, ça va. Il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Nicolas Sarkozy. Il est à la une de tous les journaux. Libération, par exemple. Sarkozy assiège l'Elysée. Le Parisien, qui titre ce matin « Pourquoi Sarkozy fait tout pour se faire virer ?» Ou même le Figaro, encore du Sarkozy. Sarkozy en fait-il trop? C'est à rendre fou Chirac. Heureusement que le président de la République adore la culture asiatique. Il va pouvoir aller au cinéma pour se changer les idées aujourd'hui. Il va, par exemple, pouvoir aller voir « Le dernier samouraï ». Ah, encore lui. C'est vrai qu'après tout, Sarkozy n'est pas beaucoup plus grand que Tom Cruise, sauf que lui, il pense que l'Elysée, c'est pas Mission Impossible. Annie? C'est terrible parce qu'on donne l'impression, nous aussi, les médias et puis les socialistes, qu'il y a un climat de guerre, quoi. Il y a un bunker place Beauvau, un camp retranché à l'Elysée. On a l'impression qu'il y a des mitraillettes qui vont se tirer dessus, quoi. C'est terrible. À droite, certains estiment même que le président ne fera qu'une bouchée, en fait, du ministre de l'Intérieur, qu'il est vraiment parti trop tôt. En fait, le programme est clair à l'Elysée. Chirac va mettre Sarkozy en pièce et c'est Bernadette qui va ramasser les morceaux. Madame Chirac, justement, murmure qu'elle pourrait quitter la Corrèze pour se présenter aux élections sénatoriales à Paris. Ben ça, c'est bien, parce que Johnny Hallyday cherchait une salle pour le concert de ses 70 ans. Ce sera donc au Palais du Luxembourg. Mais si elle le faisait, ce serait la première fois en France qu'une femme de président accède à des responsabilités politiques de la première importance. C'est une sorte d'Hillary Clinton. Et pourtant, Dieu seul sait si mes accointances ne sont pas de son côté, mais je trouverais ça bien qu'effectivement, elle assume le fait qu'elle fait de la politique et qu'elle prenne des responsabilités de cette importance. Bon, parfait. Bernadette au Sénat. Voilà. Comme ça, elle sera plus à l'Élysée, elle nous emmerdera moins. Elle aurait pu se présenter à Pau, ça aurait fait Bernadette sous Bayrou. Le président de la République, en tout cas, s'est distrait, lui, hier, en recevant l'équipe de France féminine de handball à l'Elysée. Elles lui ont offert un nouveau maillot pour sa collection personnelle. C'est con, on lui offre toujours le haut de la tenue sportive. Heureusement que Sarkozy est là pour lui tailler un short. Finalement, d'ailleurs... Bon, c'est anecdotique, mais que les handballeuses sont devenues championnes du monde en battant en finale la Hongrie. Hongrie, d'où Nicolas Sarkozy tient ses origines. Ils ont eu le droit à deux fois des moules hier à l'Elysée. L'événement politique du jour, on en parle donc tous et tous les journaux en parlent depuis ce matin, c'est la conférence de presse de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. C'est un événement parce que les journalistes pouvaient lui poser toutes les questions qu'ils voulaient. Et c'est un événement parce que c'est vrai, on ne l'entend pas souvent s'exprimer. L'épidémie de gastro arrive sur Paris, c'est un titre dans France Soir ce matin. Maintenant on sait donc pourquoi Sarkozy court si vite. «
pour l'épidémie de Sarko. En tout cas, manifestement, on n'a pas encore trouvé le vaccin. Hein. Une autre photo pour illustrer l'arrivée du patch contraceptif, cette fois. Eh ouais, wow. Un patch contraceptif, il paraît qu'il est plus cher que la pilule, mais c'est tout aussi efficace. À peine on le met, et très vite, on abandonne la pipe. Bon, évidemment, ça se voit un peu plus que la pilule, surtout pour les partenaires qui veulent vous faire un enfant dans le dos. Vous êtes prête à l'essayer ? Absolument. Je suis vraiment prête à l'essayer, d'autant plus qu'il y a moins de nausées qu'avec une pilule normale, d'après ce qu'on dit. Bien. Et ça fait grossir un petit peu les seins. Donc je suis sûre que les femmes vont avoir très envie de l'essayer. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que la pilule, il faut vraiment que la personne qui la prend soit d'accord. Tandis qu'un patch, pouf, personne. J'avais pas pensé à ça. On peut le discrètement, aussi. Les mecs vont se balader avec un patch. Comment tu vas, poulette? Paf! Et allons-y! C'est bien! Ça marche pas comme ça! Une autre photo, celle de l'airbag pour motard. C'est un blouson muni d'une petite bonbonne d'air comprimé et il se gonfle dès que vous tombez de moto. Ça peut servir d'ailleurs aussi de patch anti-contraceptif, hein, y a pas de problème. De la moto au vélo avec une photo d'un nouveau cycliste accusé de dopage, Marek Rukiewicz, c'est la branche polonaise de ma famille. Le coureur a été arrêté à l'aéroport de Roissy avec des produits dopants dans ses bagages. Faut vraiment être con, c'est pas ça qui fait aller l'avion plus vite. Il appartient à l'équipe Cofidis. Cofidis, c'est le crédit par téléphone et le discrédit par la bicyclette. On va en reparler dans l'émission, on aura un invité sur ce sujet. On termine d'abord par Julio Iglesias, bientôt un nouveau papa. Mais pas le Julio Iglesias qu'on connaît, non. Il s'agit de son père, qui s'appelle lui aussi Julio Iglesias. Il a 87 ans et sa femme, 40 ans, est enceinte de 5 mois et demi. Incroyable. C'est assez incroyable. C'est super. Enrique Iglesias va donc être le neveu de ce futur petit Iglesias. Ils vont tous pouvoir former un groupe qui s'appellera le Iglesias Band Encore. Hein, ça pourrait être... Mais c'est possible. C'est dingue, cette histoire. Mais c'est possible, donc à 87 ans, on peut encore faire des enfants. Mais bien sûr. Alors j'ai calculé, en plus, j'ai fait le calcul ce matin. Comme elle est enceinte de 5 mois et demi, ça veut dire qu'il a fait ça en plein mois d'août. J'ai fait le compte. Donc en pleine canicule. Nous en France, on avait des vieux qui étaient raides, mais là-bas, eux, ils en ont qui ont profité. C'est la vraie injustice entre les hommes et les femmes. Et oui. C'est qu'un homme peut jusqu'à 100 ans. Moi, mon dernier enfant, je l'ai eu à 102 ans. Non, mais c'est vrai, on peut tout le temps. Mais le papa de Julio, donc Julio père, est gynécologue. Donc il va surveiller la grossesse de sa femme et il sait déjà que c'est un fils. Vous saviez ça, vous, qu'il était gynécologue? Exactement. C'était mon gynéco, dis donc. Non, c'est pas vrai. Gynécologue, ouais, c'est vrai. Bah oui, alors, après tout, maintenant qu'il est à la retraite, il a raison de s'amuser là où il travaillait avant. Hein. Jusqu'à présent, le monde du tennis avait plutôt été épargné par les affaires de dopage. Mais de sérieuses questions se posent désormais. En effet, Greg Rusedski, un joueur britannique, vient d'être contrôlé positif à la nandrolone. Et coup de tonnerre dans le milieu de la petite balle jaune, l'immense champion des années 80, John McEnroe, a lui avoué avoir pris, à son insu évidemment, des stéroïdes pendant 6 ans. Les stéroïdes, ce sont des produits dopants qu'on utilise aussi pour les chevaux, d'où peut-être l'expression « taper comme un bourrin ». En tout cas, pour parler de ce sujet, on va accueillir quelqu'un qui avait mis déjà les pieds dans le plat sportif il y a quelques mois en publiant cet ouvrage « Les scandales du sport contaminé ». On va voir si les choses ont changé avec lui depuis. Voici Éric Métraux. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Vous étiez venu nous voir lors de la sortie de ce livre l'année dernière. Ça veut dire que rien n'a changé? Bah, ça veut dire que tout continue. Aujourd'hui, dans le monde daté d'aujourd'hui, toute la page des sports est consacrée à des affaires de dopage. Vous avez cette histoire de vélo, vous avez McEnroe et vous avez une brève sur Zidane qui doit aller témoigner dans le procès de la Juventus de Turin.
Une affaire d'ailleurs qui est une grosse, grosse affaire de surmédicalisation et de dopage qui touche la Juventus des grandes années, Deschamps, Zidane et compagnie. Donc ça ne reprend pas, ça continue. C'était quoi la Juventus? De la créatine? C'est une pharmacopée hallucinante et ce procès dure depuis 3 ans en Italie et je crois qu'on n'est pas au bout des surprises dans ce dossier-là. Alors ce qui est terrible, ce que vous me dites là, c'est que là-bas on a eu Zizou, on a eu Trezeguet, on a eu qui d'autre comme français à la Juventus? Enfin, quelques-uns quand même. Didier Deschamps. Et Didier Deschamps. C'est-à-dire que c'était les joueurs qui nous ont fait gagner en 98 à la Coupe du Monde de football. Aujourd'hui, en l'absence d'aveu, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Enfin, ce qu'on sait, c'est que ces joueurs jouaient... Le dopage, ce n'est pas comme le nuage de Tchernobyl. Il ne s'arrête pas à la frontière franco-italienne. Hein. On peut penser que certains joueurs de cette équipe que nous avons tous admirée en 98 étaient l'objet de surmédicalisation pour parler pudiquement. Quand vous dites surmédicalisation, c'est une bonne chose. Il faut que les joueurs soient médicalisés parce que quand on fournit de tels efforts, c'est évident. Ces médicaments, ils ont... Pour effet non seulement d'être en bonne santé, mais aussi d'améliorer les performances. Alors, quand est-ce qu'on peut faire le départ entre les produits licites et les produits illicites? Moi, je suis persuadé qu'on n'arrivera jamais à éradiquer cela, mais qu'un type qui veut améliorer ses performances, s'il est professionnel, je sais ce que je vais dire, va choquer tout le monde. J'en ai parlé avec Platini hier soir. Lui-même me disait, comment pouvez-vous dire ça? Mais c'est honteux, mais c'est affreux. Je dis, un professionnel... peut prendre ce qu'il veut et il emmerde tout le monde. Ah ouais, mais... autant un amateur ne doit pas le faire, mais un homme de 30 ans qui est au sommet de sa gloire, pourquoi voulez-vous qu'il ne prenne pas des choses comme ça? D'abord, pour une raison évidente, c'est le fait que le sport professionnel, il a vertu d'exemple pour des millions d'amateurs et que si on ne commence pas à essayer de lutter contre le dopage dans le monde professionnel, eh bien, tu as des gamins de 14 ans, de 15 ans qui n'ont pas fini leur croissance et qui sont là, coup de picouse déjà. Pour la... Mais oui. Cela dit, ce n'est pas normal parce que vous dites qu'il y a des antidépresseurs. Si un pauvre joueur de football, même si c'était Zidane, qui a un petit moment dépressif, prend un antidépresseur pour se soigner, ce n'est pas normal que ce soit considéré comme du dopage. Si vous donnez dans le même temps un sportif... Ce qui n'est pas normal déjà, c'est d'être dépressif avec le pognon qui gagne. Non, mais... Non mais là, sans se focaliser sur un joueur ou un autre, parce qu'encore une fois, le procès n'est pas terminé. Ce que je peux dire quand même, c'est qu'il n'est pas normal non plus un jour de donner un neurostimulant à un joueur et le lendemain de lui donner un tranquillisant pour le calmer. Et on dit qu'il y a des morts chez les amateurs, mais il y a des morts chez les professionnels aussi. Le footballeur Marc-Vivien Fouet, qui est mort en direct à la télévision d'un arrêt cardiaque en plein match à 28 ans, je suis désolé, je pense que c'est un exemple de surmédicalisation et c'est un cœur qui est lâché. L'autopsie a révélé chez ce garçon de 28 ans un cœur d'un vieillard de 75 ans. Oui, mais ça, c'est pas normal. Non, mais voilà, ce sont des informations qui sont... Oui, mais alors ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup qui parlent. Et quand il y en a qui parlent, je pense à Nicolas Escudé, par exemple, qui avait commencé à balancer, eh ben, il a eu une amende de l'ATP parce qu'il avait dit que c'est toute une mafia qui est en place. Parce qu'on est dans un monde d'hypocrisie monstrueux. McEnroe parle, oui, il parle, mais après. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont commencer à balancer même s'ils sont dedans? En fait, le milieu du sport a pris une habitude, c'est que dès que quelqu'un parle, on le matraque au maximum pour dissuader tous ceux qui voudraient parler. Alors moi, c'est ce que j'appelle le réflexe de la chasse d'eau. C'est-à-dire que le système sportif tire la chasse, se débarrasse du vilain sportif qui s'est fait prendre. En fait, c'est pas pris, pas dopé la doctrine aujourd'hui. C'est ça qui est scandaleux. À votre avis, pourquoi McEnroe parle maintenant? L'hypothèse qui est aujourd'hui la plus probable, c'est qu'une enquête serait en cours, peut-être aux États-Unis, et qui devance l'appel, si j'ose dire. En fait, il anticipe les accusations en avouant un petit bout. Des hormones vétérinaires, quand on connaît la puissance de ces produits, il est impossible d'être drogué 6 ans d'affilée avec ces produits sans s'en rendre compte. Mais là, il y a une question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous pensez que Ben Johnson, par exemple, qui est ce coureur noir de 100 mètres sud-africain, qui avait, je crois, battu, descendu au-dessous des 10 secondes, un des premiers, bon. Est-ce qu'il était l'homme qui court le plus vite au monde ou pas? Il était celui qui s'est fait prendre une majorité d'athlètes. Est-ce que... Quand on prend... En performance physique. Est-ce que le record devrait être annulé? C'est ça que vous me demandez. Est-ce que son record, s'il n'avait pas été égalé, est-ce que ce record ne devrait pas rester, bien qu'il fût drogué? Est-ce qu'on doit déchirer les poèmes de Baudelaire parce qu'il a bu du vin? Ah, vous ne lisez pas le sang, mais Baudelaire. Je vous le demande. Mais non, mais sérieusement. À l'évêque qui n'a pas parlé encore. Oui. Mais c'est aussi de toute façon un peu à cause de nous, téléspectateurs, qui se dopent. Le Tour de France, si l'étape arrive à 23h, on ne va plus la regarder. Hein, c'est, Il a raison. Et comme... Il faut arriver à une heure précise, il y a des délais à respecter, il y a une pub à envoyer, enfin bon. Et comme me le disait Maradona, avec qui j'ai dîné hier soir, il m'a dit,
Les sportifs sont drogués, certes, mais il y a quand même une différence entre les drogués et les sportifs. Il y en a un des deux qui est sponsorisé. Il y en a qui, au contraire, Thierry Ray, avec qui j'ai dîné avec un évêque hier soir, bon, Thierry Ray, moi, me disait que quand il a gagné son championnat du monde, il ne buvait jamais plus de 2 gorgées d'eau de la même bouteille. Pourquoi ? Parce qu'il fallait donner 3 ou 4 bouteilles pour être sûr qu'on ne lui a pas mis un truc dedans. Ah, maintenant, ils ne boivent plus que des boissons qu'ils ont ouvertes eux-mêmes, hein, sur le circuit de tout professionnel. Ah non, c'est pas la paranoïa, c'est de la prudence. Parce que vous pouvez être dopé par un adversaire. Vous faites doper par un adversaire qui, après ça, un rival. C'est une jungle. Caroline. Oui, je voudrais dire quelque chose par rapport au dopage sur... C'est la question, oui. Je voudrais dire quelque chose par rapport au dopage. C'est vrai que ça tombe bien, c'est un peu le thème du c'est le moment. Allez, on a dans cette émission, on voit bien qu'ils sont pas dopés, croyez-moi. Je voulais dire quelque chose sur le dopage que vous n'avez pas abordé. Vous n'avez pas parlé de la douleur. Parce que beaucoup, c'est facile pour un sportif de dire que parfois c'est fait à son insu. Mais moi j'ai parlé avec des gens qui sont des amateurs, mais qui font du sport. Non, qui ne sont pas connus, mais pour vous dire qu'ils ont ressenti, même en ayant essayé 1 ou 2 fois, l'absence totale de fatigue, de douleur, qui est très importante chez les athlètes de haut niveau. Avec le PO. Donc, voilà. Donc, je suis pas d'accord. Quand on dit à leur insu, ils doivent quand même se rendre compte, tout à coup, quand vos performances sont décuplées, ils ne peuvent pas l'ignorer. Je suis d'accord sur le principe du fait que le dopage, c'est vrai que ça atténue la douleur, mais là, on parle de sport, on parle de performance. Donc, voilà, si le corps souffre, c'est que le corps est à son maximum. Donc, c'est aussi comme ça qu'on se régule quand on est sportif. Si tous les rapports sont faussés quand on se dope, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, on n'entend pas notre corps, on n'écoute pas notre corps, et c'est là que ça devient dangereux. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on parle de dopage, on parle de sport, on parle de mythes qui tombent, mais on a oublié la performance. Et le sport, c'est surtout de la performance. Ce qui est dangereux, quand tu fais le 100 mètres et puis que tu t'es arrivé, les autres ne sont pas encore partis, tu peux te dire, j'ai dû prendre quelque chose, quand même. Éric Métro, pour conclure. Oui, non, c'est très important ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, en effaçant ces signaux d'alarme du corps, quand on a une courbature, une douleur, un genou, c'est que le corps va s'approcher d'un point de rupture. En effaçant ça, le dopage ne protège plus les sportifs des crises cardiaques, des morts subites, etc. Et donc, c'est aussi un des vrais problèmes. Et ce sont les décès qu'on trouve dans les affaires de dopage, d'où l'importance aussi de ce sujet. On va rappeler que vous aviez obtenu un prix hein, depuis que vous étiez venu nous voir. Le prix Sport Scriptum, meilleur livre de sport 2003. Vous pouvez encore le trouver chez Flammarion, Éric Métro. Les scandales, hélas, du sport contaminé. Merci. Merci. C'est avec leur single « Eo, est-ce que tu m'entends ?» « Eo, vendu à plus de 700 000 exemplaires que le groupe Tragédie s'est fait un nom dans le monde du R&B français. Leur premier album, Tragédie, double disque d'or, est sorti au mois d'octobre. Et vous avez certainement déjà entendu leur nouveau tube « Sexy pour moi », déjà numéro 1 des singles disponibles depuis la semaine dernière. Les deux membres de ce groupe s'appellent Tizzy Bone et Silky Shy, j'espère que je prononce bien. En fait, ils s'appellent Thierry et Daniel, ça c'est leur vrai prénom, et ils se sont rencontrés dans un bus à Nantes. Bon, ça fait moins gangsta rap new-yorkais comme ça, mais ça n'enlève rien à leur talent. Tout de suite, testons ensemble le groupe Tragédie. Ouais. Bonjour. Alors, à chaque fois, je vois dans les magazines, il faut savoir lequel est Silky Shy, lequel est Tizzy Bone. Maintenant, moi, c'est Silky. Vous, c'est Silky. Voilà. Et moi, c'est Tizzy. Et vous, bah oui, je m'en doutais. Et vous êtes réunis sous ce duo Tragédie depuis combien de temps maintenant, alors? Depuis 2 ans, bientôt. Ouais. Depuis 2-3 ans, vous êtes rencontrés à Nantes. À Nantes, exact. Je l'ai dit, dans un bus, c'est dans vrai. Dans un bus, exactement. Il y en a un des deux qui chantait pour sa copine, je crois. Ouais, c'est moi, ouais. C'est vous. Ouais. Et vous l'avez entendu. Voilà, c'est ça. Et vous êtes allé le voir. Bah ouais. Et vous lui avez dit quoi? J'aimerais bien être sa copine. bien. Non, mais non, parce que je trouvais ça louche, quoi, qu'un gars chante. Qu'un gars chante aussi bien ? Aussi bien. Ça a démarré à Nantes, vous êtes fait repérer là-bas. Il y a eu un premier gros succès, faut le dire. Faites-le-moi juste une fois, rien que pour moi. Comment c'est déjà ? Est-ce que tu m'entends, Eo ? Est-ce que tu me sens, Eo ? Touche-moi, je suis là, Eo ! Oh, 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 oh. S'il te plaît, réponds-moi, Eo ! J'ai suffi là, Eo ! Est-ce que tu m'aperçois, Eo ! Oh, 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 oh. Allez, ça, ça garde.
Ça a permis. Ça a permis de vendre. Il y a Pierre qui commence à danser déjà là. Ça a permis de vendre cet album de façon incroyable et les singles, le tout nouveau aussi, dont on va regarder tout de suite un extrait. Voici un extrait du clip de Sexy pour moi, déjà numéro 1 des singles. Quoi que tu dis, je serai ton homme. Quoi que tu fasses, faut que tu restes en forme. Si tu veux, bouge contre moi. Si ce n'est pas toi, ce sera moi. Baby, danse pour moi. Emmène-moi où tu vas. Quand tu bouges comme cela, tu sais que j'aime trop ça. Ma baby, danse pour moi. Emmène-moi où tu vas. Quand tu bouges comme cela, tu sais que j'aime trop ça. Faut que ça balance. Single extrait d'album, premier album de Tragédie. Caroline Diamant, notre spécialiste du disque, et puis après Elsa Fayer, vont commencer par dire ce qu'elle pense de tout ça. Caroline. Alors, la spécialiste du disque a vieilli. Un petit peu. Alors, j'ai écouté l'album, les trois premiers titres. Je me suis levée, j'avais envie de bouger. Au-delà de trois titres, j'avoue que j'ai pour le coup passé l'âge. J'aime bien le R&B, mais sur un album entier, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. Cela dit, je salue toujours les auteurs, compositeurs, interprètes. Et il y a juste une petite phrase qui m'a fait rire, que j'ai lue, que vous avez prononcée. On a galéré. Je trouve qu'à 21 et 23 ans, c'est pas énorme comme galère. Ouais, pas tant que ça. Avant que ça marche. Voilà. Avant que ça marche, ouais. Si, si. Ouais. Mais vous, alors la musique, c'était pas votre seule passion, c'était le football au départ. Puisque vous venez de Madagascar, vous êtes arrivé à l'âge de 17 ans à Nantes pour apprendre encore plus le football, le football club de Nantes. J'aurais aimé voilà. Intégrer. Et puis en fait, il y a eu une blessure à un genou. Ouais, lors d'un jouet comme ça entre copains, je me suis claqué le... Et vous n'avez pas pu devenir le footballeur professionnel que vous voulez. J'aurais aimé, j'aurais peut-être pas été professionnel, mais c'était un rêve. Enfin, vous étiez au FC Nantes déjà. Non, j'étais pas au FC Nantes. Ah, vous n'étiez pas arrivé encore. Oh merde, on nous raconte des histoires dans la presse. Ah bon? Mais enfin, vous étiez à Nantes. Bon. Ça, c'est énorme. Elsa Fayer, vous connaissiez évidemment les Tragédies. Bien entendu. Alors, on ne peut pas allumer la télévision ni la radio sans tomber sur un de vos titres. Et quand on écoute une fois votre chanson, il faut dire que le refrain me trotte dans la tête pendant un bon moment. Et je dois dire que ça me rend un peu nerveuse. Quand dès le matin, j'écoute votre chanson, je l'aimais beaucoup au début, mais là, maintenant, ça commence à me courir. Mais franchement... Mais est-ce que ça vous court grave ou pas? Ça me court chambé, on va dire. Pierre, après, je passe de l'autre côté. Pierre Bénichou, vous avez l'air de kiffer ça. Moi je kiffe grave ça. Je trouve que c'est très très bien. Puis en plus, vous avez mis KO la Starac, quoi. Parce que c'est une vraie musique de rue. C'est vraiment très très bien. Ça n'a rien à envier aux Américains qui font la même chose que vous. Et c'est formidable, c'est pas du tout par chauvinisme que je dis ça. Mais c'est vrai que tous ces produits frelatés qu'on voit maintenant, de très jeunes gens qui chantent selon des modèles, des schémas, des trucs, vous, pas du tout, c'est naturel, c'est très bien. Puis les paroles sont formidables, c'est comment hi-ho, hi-ho, est-ce que tu m'entends comme vous dites, vous charriez pour rire, je trouve ça très bien. Voilà. Je sens que Stéphane Pocrin fait la fine bouche. Non, je fais pas la fine bouche. Parce qu'on lui dira. Mais je fais pas la fine bouche, on va pas se mentir, j'ai pas aimé le premier single, j'aime pas le deuxième. L'album, j'aime pas beaucoup, donc je le dis franchement. Ouais. Maintenant, je suis obligé de reconnaître que quand il y a une fête de famille chez moi, tous mes neveux et nièces qui ont entre 10 et 15 ans, eh bien, ils adorent tous. Voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est que vous êtes auteur, compositeur, interprète, donc c'est bien de prendre ces risques-là. La musique, ça passe encore, mais les paroles, je vous jure, des fois, c'est un tout petit peu quand même. Vous pourriez chercher un peu plus, mais comme vous n'avez que 20 et 21 ans, vous avez tout le temps, donc beaucoup de succès pour vous. Moi, j'étais sûre que vous étiez fan de Billy Crawford. Et quand j'ai lu la doc, je vois que non, c'est de Boys to Men, que je connais pas très bien, et de Michel Sardou et de Johnny Hallyday. Alors là, ça m'épate. Johnny Hallyday, c'est moi. Et Michel Sardou, mais attendez, comment ça se fait? Parce que eux, c'est en 1920. Non, mais regarde, pour les bouquins, il y a des gens qui lisent des bouquins, le type est mort. Hein. On n'est pas obligé de lire uniquement les trucs qui viennent de sortir. Christophe Alévèque. Ce mélange de vibes dance floor avec un flow qui balance et un beat super easy avec DJ qui scratch, moi ça me fait dire que j'ai dû louper des trucs. Alors effectivement, bon, c'est pas trop ma tasse de thé, je préfère de loin l'alcool. Mais...
Bon, bien bourré dans une boîte de nuit, ça passe. Mais non, mais c'est vrai que c'est de la musique. Il faut aller en boîte de nuit. Il faut s'affronter corporellement. Comment c'est, enfin là, cette danse d'avant pénétration. Évidemment, faut pas aller en boîte avec sa femme, hein, sinon c'est foutu. De toute façon, en boîte avec sa femme, on se fait chier. C'est comme aller à la boulangerie avec sa baguette sous le bras, c'est pareil. Hein. Mais moi, je pense que ça peut, des couples vont se former sur ces bites. Voilà. Tragédie, c'est l'album. Le nouveau single, c'est Sexy pour moi. Et enfin, on n'entendra plus Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Merci à tous les deux. Le week-end dernier, s'est tenu le Salon du Meuble. Il y a des salons tous les week-ends, de toute façon, alors pourquoi pas le Salon du Meuble ? C'était à la Porte de Versailles, à Paris. Et la grande nouveauté, cette année, c'était le mobilier spécial divorcé. Oui, ça existe. Les personnes dans cette situation, divorcées donc, sont nombreuses aujourd'hui et présentent donc un véritable marché pour les pros de l'ameublement. Toute une gamme de produits était présentée ce week-end. Le lit qui se dédouble, l'appartement sans mur dans lequel les meubles font office de cloison, ou même, pourquoi pas, le verre à dents pour mettre une seule brosse à dents, là j'exagère, bref. Que des trucs qui donnent envie de quitter sa femme, Christophe Alévèque. Dan Bolander n'est pas passé par son avocat pour tester pour nous les produits pour divorcer. On en parle tout de suite après cette caméra cachée par Benoît Cressan. Bonjour, ici Dan Bolander. C'est fini entre nous. J'ai testé les produits pour divorcer. Bonjour madame. Bonjour. Je cherche un lit pour divorcer. Ah bon, d'accord. Parce que j'ai divorcé. Oui. Et je sais que vous faites des promotions. Je suis au courant là. Est-ce que t'es au courant qu'il y a des promotions pour les divorcés ? Bon, alors, vous faites moins 30% ah, oui, sur les articles pour divorcer. Oh, t'as vu ? Mais écoutez, j'ai ça, moins 30%. Ça, c'est pour divorcer ? Bah, si vous voulez, hein, il se fait en deux. Ça, quand il y en a un qui divorce, l'autre il emmène un et l'autre il prend l'autre. Il me faudrait également une cafetière ou une bouilloire ? Non, une bouilloire. Oui, ça dépend de la capacité que vous cherchez, si c'est un grand volume ou un petit volume. Bah, il me faudrait une bouilloire pour divorcer. Qu'est-ce que vous appelez une bouilloire pour divorcer, monsieur ? C'est ce que je vous demande. J'ai ma carte de divorcé. D'accord, monsieur. Alors, ça, c'est pour divorcer. C'est pour tout le monde, monsieur. Que ce soit fille, garçon, en couple, divorcé ou pas, une bouilloire, pour moi, c'est une bouilloire. Les histoires d'amour finissent mal en général. Je cherche en fait un canapé pour divorcer. Et c'est-à-dire ? Je sais que vous avez des canapés spécifiques pour nous, les divorcés. Ouais. Mais nous, on ne l'a plus, ces gens, des canapés-là. Mais qu'est-ce qui faisait que ce canapé était pour divorcer ? Parce qu'il y avait la couleur au milieu. Pourtant, est-ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres les promotions que vous faites ? C'est quoi ça ? Je connais pas ça. J'ai ma carte de divorcé. C'est quoi ça, la carte de divorcé ? Vous avez des pourcentages un peu partout. Je vais vous faire la réduction. Ah, c'est gentil. Alors, montrez-moi à ce moment-là des meubles, mais pour divorcer. Ça, c'est pas pour divorcer ? Ça, vraiment, je ne vois pas la partie divorcée dessus. C'est pour divorcer ou pas ? Ce n'est plus spécifié. C'est à vous maintenant de voir est-ce que je peux l'utiliser chez moi en tant que divorcé. Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est comme ici en bas, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir ça ni ça. Donc vous ouvrez juste celui-là pour que vous utilisez et l'autre, c'est pas à vous. Ah, c'est pas bête. Je cherche un réfrigérateur pour divorcer. Vous voulez dire pour une personne seule ? Non, pour divorcer. Je comprends rien du tout. Moi, je suis divorcée, j'ai un frigo comme tout le monde. Je comprends pas pourquoi vous voulez un frigo pour divorcer. Pas parce que vous êtes divorcée, vous prenez celui que vous voulez. Non, on m'a dit il y avait des modèles pour les divorcés. Spécifiquement, alors. Mais non, vous en racontez des bêtises. Que je peux vous proposer pour un pauvre garçon divorcé ? Ben voilà, un tout petit. On pourrait peut-être même se remarier tous les deux. Bravo à Dan Bolander et à cette dame. Là, ils avaient l'air de tomber des nues, tous les vendeurs qui étaient allés voir Dan Bolander, mais ça existe vraiment. Ce week-end, au Salon du Meuble, on nous a présenté des meubles pour divorcer. On va en parler tout de suite avec la rédactrice en chef d'un magazine féminin qui s'appelle Armelle Auger. Bienvenue. Alors, est-ce que dans Prima, vous avez déjà parlé
de ces meubles pour divorcer. Oui, on en a parlé parce que c'est un créneau qui prend la suite du créneau des célibataires là, des années 80, des célibatants qui avaient pris la place des célibattus. Et maintenant, ce sont les divorcés, enfin surtout les monoparentaux, qui représentent vraiment le créneau à... Je viens de comprendre. Moi, je croyais que c'était des meubles pour divorcer, si on a envie de divorcer. C'est pour être bien. On achète des trucs très, très lourds. Pour gérer bien son divorce. Je divorce, je m'en vais. Ouais, et là, et le meuble en question... Non, c'est des meubles pour déjà divorcer. Voilà. Genre, on est passé à la... On est, et on est dans la situation de la suivante, de la monoparentalité. Et on vit donc ces deux tranches de vie de façon... La plus confortable possible. Au départ, quand j'ai lu ça pour la première fois, moi, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien être différent, un meuble pour divorcer, d'un meuble normal? Et effectivement, j'ai compris, là, en lisant quelques articles suite au salon du meuble de ce week-end, qu'il y avait des meubles qui étaient vraiment prévus pour les personnes divorcées. Ah bah c'est des 3, 4, 5 en 1, hein, c'est-à-dire c'est polyvalent, c'est nomade. Là, il y a 3 lits et donc 2 bureaux, plus quand tout ça se ramasse et bien compact, ça fait un bureau. C'est pour les divorcés pauvres qui n'ont pas des appartements assez grands. Les appartements à Paris, pour avoir, quand vous accueillez les 3 enfants de votre... de la recomposition familiale, c'est pas si évident. Non, c'est pour rien. Les 3/4 du parc parisien, c'est 2 pièces. Ben alors justement, ce sont des meubles pour divorcer avec enfants, en fait. Voilà. Divorcer avec enfants qui ne les ont pas tout le temps. Oui. Voilà, qui les accueille un week-end sur deux ou pendant les vacances. Il y a vraiment un marché pour ça? Non, il y a un marché de la monoparentalité, du meuble, oui, mais aussi des vacances. Hein. Tous les clubs de vacances réfléchissent sur comment mieux accueillir les divorcés avec enfants, femmes ou hommes. Comme il y a eu pour les célibataires dans les années 80, ils sont toujours en transition. Simple. Le mec, il était célibataire dans les années 80 et s'est marié dans les années 90, et on le retrouve 2003 divorcé. Ça ne cesse de bouger. C'est toujours le même, en fait. C'est toujours le même. Qu'est-ce que vous pensez, Annie Lemoine, de tout ça? Oui, moi je suis sûre qu'il y a un vrai marché. Évidemment, c'est compliqué quand vous recevez les enfants du monsieur le week-end. Bah, il faut trouver de la place et c'est bien d'avoir ce genre de meubles. Dans 70... Vous recevez les enfants du monsieur, vous, de temps en temps? C'est ça la question. Oui, que je d'un seul coup, on vous a senti concerné par l'affaire. Non, mais c'est vrai, il faut pouvoir élargir les couchages. Multiplier les couchages. Avec des tribus qui se suivent. Dans 70% des cas, je crois que c'est vrai, les femmes prennent l'initiative du divorce et elles emmènent les meubles. Elles emmènent. Ben non, messieurs, achetez des meubles très très lourds, ils ne pourront pas les porter. Alors les messieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent très vite une dame qui a des meubles? Voilà, qui a des meubles pour éviter la petite ampoule au plafond. Qui sait faire à bouffer. Et avoir une machine qui tourne bien, parce que ça les sécurise. La femme cherche rythme. Femme plutôt commode. Oui. Qui fait les deux d'ailleurs. C'est un peu ça, quoi. Moi, je ne suis pas d'accord du tout là, avec ça. Je lis dans le dossier, là, les hommes retrouveront donc une femme pour lui aménager un petit territoire douillet. Mais moi, ça, c'est une cause de divorce pour moi. Ah oui? Qu'il soit trop douillet. Ah oui, mais non, mais c'est justement l'une des causes du divorce. Moi, qui étudiais quand même les problèmes de couple en long, en large et en travers. Sur le terrain. Voilà, j'en suis arrivé à cette conclusion. Le problème dans un couple, c'est la femme. Oh. Voilà. Et ce qu'il faudrait peut-être, je pense, à mon avis, moi, c'est que dans un couple, dans une maison, chacun ait sa pièce. Voilà, déjà. Parce que l'homme est un campeur au départ. Primaire. Moi, j'aimerais bien avoir ma pièce, moi, avec une planche, 2 tréteaux, des bouteilles de vin et rien d'autre. Voilà. Et qu'on n'y mette pas les pieds. Voilà. Mais les femmes aussi, elles ont envie d'avoir leur pièce. Oui, mais ma femme a fait ça, moi, j'ai pas mis les pieds. Elle a fait de l'ingérence. C'est-à-dire qu'il y avait un code pour rentrer, c'était « Grand Effendi, puis-je pénétrer dans ta pièce ?» Elle rentrait sans que je lui dise rien. Elle a même installé un tapis, des tas de babioles merdiques partout et des plantes vertes. La salope. Voilà. Moi, je me suis retrouvé avec des plantes vertes. Voilà, maintenant, je pisse dans les plantes vertes. Oui, madame. Et la solution, comme c'est difficile de vivre à deux, moi, je pense qu'il faudrait carrément être marié. Il faudrait être marié et campeur ou marié avec 2 appartements séparés. Et de temps en temps, on va à dîner avec les enfants, comment tu t'appelles, voilà. T'as grandi, voilà. Mais ces meubles, non, c'est pas les meubles le problème. Elle a quoi comme pièce à elle, alors, votre femme? La cuisine. L'appartement. La cuisine? La cuisine, certainement, non? Non, malheureusement. Vu comment t'en parles. Mais non, t'es une femme moderne, on bouffe que de la merde. Écoute. Ah, ça, c'est drôle. Ah, ça, c'est très drôle, je trouve. C'est une femme moderne, on bouffe que de la merde.
Ah, moi, ça me plaît beaucoup. Pardon, Annie Lemoine, j'ai le droit un peu d'être macho de temps en temps aussi. Mais ça vous va bien. Merci. C'est extraordinaire parce que la revendication des hommes maintenant, là-bas, un plan droit où ils peuvent être tranquilles, c'était la revendication des femmes pendant un siècle. Il y a un roman célèbre qui s'appelle Une chambre à soi. Ça veut dire qu'une femme qui voudrait avoir un petit moment où elle peut penser à elle, être toute seule. Et maintenant, les hommes qui sont devenus des gonzesses, comme ça, ils pensent maintenant, si je pouvais avoir un petit espace, mais un peu d'autorité, c'est à toi, chez toi. Hein? Oui, papa. D'accord. Pardon, hein. Vous ne me répondez pas si vous n'en avez pas envie, parce que je ne veux pas, bien sûr, me mêler de votre vie privée, mais qui a déjà été divorcé autour de cette table ? Divorcé, c'est-à-dire qu'il faut avoir été marié pour être divorcé ? Personne. Vivre avec quelqu'un, par exemple. Ah oui, moi j'ai déjà divorcé. Et vous avez emmené les meubles ou pas, alors ? Moi, je change de meuble à chaque fois. Enfin, à chaque fois, j'ai l'air de changer de meuble tous les ans. Annie, bien Annie, bravo, bravo. On l'appelle la déménage. Mais non, mais il y a des périodes, comme dit madame. Mais ça m'intéresse. Alors, comment ça se passe quand on se sépare? Allez, sans divorcer, quand on se sépare et qu'on vit ensemble, qui prend quoi Ben, moi, je peux vous dire. Alors? Chérie, si tu nous regardes, le jour où on se sépare, je garde tout, que ce soit bien clair. Ah, voilà. Pierre, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai une petite phrase célèbre que je répète assez souvent à mon mari. Chérie, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à moi. Voilà. Ah. C'est ça? Ah ben moi, c'est simple, chérie, si tu me regardes, moi je prends l'appartement, toi tu prends la porte. Christophe? C'est dur, hein? Non, mais moi, je sais pas, il faut donner un message, chérie, si tu me regardes, change de chaîne. Allez, on va vous remercier, Armel Auger. Merci. Les nobles pour divorcer, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. La comédienne que nous allons maintenant accueillir est une fantaisiste que vous connaissez bien. Elle a démarré avec les Branquignoles. On avait d'ailleurs Colette Brosset il y a peu de temps dans cette émission. Elle s'est illustrée dans de nombreux sketchs, émissions de télévision et pièces de théâtre aux côtés d'artistes comme Jean-Paul Belmondo, Darry Cole ou Roger Pierre. J'ai nommé Micheline Dax. À partir du 24 janvier, elle sera au Théâtre Saint-Georges dans la pièce Miss Daisy et son chauffeur. Un rôle à ne pas confondre avec Miss Piggy, la fameuse cochonne du Muppet Show qu'elle a doublée pendant des années avec sa célèbre voix. Miss Daisy et son chauffeur est une pièce qui a connu un énorme succès à Broadway avant d'être adaptée au cinéma et d'avoir remporté d'ailleurs 4 Oscars. Nous allons tester ensemble donc la nouvelle Miss Daisy, Micheline Dax. Bienvenue sur notre plateau, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous recevoir. Et mettons tout de suite les choses au clair, je vous adore. Ah non. Parce qu'il paraît que vous étiez persuadé que je vous aimais pas. Ben, je n'ai pas d'opinion sur ce qu'on pense de moi, je vais vous dire, c'est très prudent. Vous êtes prudente? Oui, très. Mais vous savez que les Français vous aiment. Les Français? Oui. La France vous aime. Ah bon, je ne savais pas. Vous êtes très populaire. Ça vient de sortir, alors. Vous êtes très populaire, quand même. Je suis populaire. Ça dépend ce que vous appelez populaire. J'aimerais l'être. Oh. Mais ce n'est pas certain. Il y a des familles où on m'aime, des familles où on ne m'aime pas, ce qui est tout à fait logique. Pensez qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas. Ah ben sûrement, puis c'est leur droit. Mais pourquoi ils ne vous aimeraient pas? Ben parce que peut-être il y en a qui ont du goût. Je ne sais pas. Que faire? En tout cas, là, vous avez une bonne pièce, en plus. Magnifique. Non, je vais vous dire, là, c'est un cadeau. J'ai jamais eu un rôle comme ça, je n'en aurai plus jamais, bon, certes. C'est pas dit. C'est évident, pour des raisons que je ne vous explique pas. Et je suis entourée de deux garçons formidables. Ce garçon qui fait mon fils s'appelle Jean-Louis Horvitz. Mon chauffeur s'appelle Jean-Michel Martial. Monsieur Stéphane Meldec, c'est pas la moindre des choses, nous a mis en scène. C'est sa femme, Attica Getch, qui a fait l'adaptation de la pièce. Vous avez bien fait de dire que c'était d'abord un succès à Broadway avant d'être un film. Voilà, alors on est accueillis à bras ouverts et comment par Marie-France Mignal et France Delahalle au Théâtre Saint-Georges, qui est une merveille. Sont les deux directrices. C'est-à-dire que c'est idéal, vous savez,
Je suis gâtée, voyez ce que ça veut dire. La preuve, c'est que je suis ici. On parle toujours de la mémoire des comédiens pour se souvenir de leurs textes en scène. Mais moi, ce que j'admire encore le plus, c'est la mémoire des noms de tous les gens qui sont là. L'accessoiriste, Paul Lou de machin, et le machin. Là, et on est obligé de dire ça, sans ça on passe pour un mauvais camarade. Ah non, non, mais moi j'ai des fous terribles comme tout le monde pour les noms des gens que je connais intimement. Au moment de les présenter, c'est la panique. Ah oui, on dit vous connaissez eux. Ah oui. C'est affreux ça. Et alors la nuit, ça me revient. Oh, machin. Moi je dirais rien à votre place, je dirais je suis là, toute seule. Oui. Mais vous auriez tort. Il y a des gens autour de moi. Vous auriez tort parce qu'on n'est jamais tout seul. Vous avez déjà été seul en scène, dans les cabarets. Oh oui, oh oui, oui. J'ai osé faire ça, oui. Comment vous pouvez dire? Vous étiez chansonnière? Pas vraiment. Non, pas du tout. Je faisais ce qu'on appelle maintenant un one-woman show. Moi, je disais un tour de chant, vous voyez. Oui. Parce que de mon temps, il n'y avait pas besoin de tout ça. Oui. Mais ça marchait. Des jours. Il y a des jours, ça marchait terrible. Le lendemain, une gamelle. Pas du tout. Moi, je vous ai vu souvent. Et vous étiez formidable tout formidable, le temps. Formidable, mais il y a surtout quand vous siffliez. Je ne vais pas vous faire de peine. Surtout quand vous siffliez. C'est vous. Alors... Micheline Dax, vous connaissiez quand même Caroline Diamant. Oui, bien sûr que je connaissais. Et alors, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que moi, je pense que tout au long de votre carrière, il y a des gens comme ça que tout le monde aime, et je pense que vous en faites partie. Oui, vous savez, je ne suis pas convaincue de ce que vous me dites. Alors, parce je ne sais pas si vous êtes modeste aussi. Ou superstitieuse. Comment? Moi, je crois que c'est de la superstition, plutôt. Ah, je ne suis pas superstitieuse, je n'ai pas les moyens. À la veille d'une pièce, vous ne voulez pas trop dire que ça marche bien, quoi. Non, parce que je vous dis, dites donc, mais moi, comme tout le monde, j'ai pris des bides sanglants. Non. Comme je dis, si j'ai du ventre, c'est parce que j'ai pris des bides. C'est amusant aussi, ça. Ça passe à maman. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. Elsa Fayère. Pour moi, vous êtes une grande madame de boulevard et vous m'avez vraiment fait aimer le théâtre et je vous ai toujours appréciée, même lorsque j'étais toute jeune. Et alors, je suis assez surprise par votre physique parce que je vous ai vu arriver ici et pour moi, quand je vous voyais à la télé, je vous pensais extrêmement grande. Je pensais que oui, vous étiez une grande femme longue. Non, mais c'est vrai. Je suis très faut pas rêver non plus. Il y a des gens comme ça qui viennent me voir en coulisses qui me disent « Oh, je voyais plus grande », je dis « Moi aussi ». Malheureusement... Mais vous êtes très jolie. Je suis superbe. Ça fait 120 ans que ça dure. Vous êtes drôle, surtout. Annie Lemoine. Bah pour moi, vous êtes un monument historique du théâtre de merde boulevard. Alors. Ce monument, quand le visite-t-on? Mais vous y prenez un plaisir fou, forcément, dites-le. J'ai parce que... très peur. Oui. Je suis tout le temps terrifiée. Mais vous aimez ça? Ben oui, mais je dois être maso quelque part par là. Mais ce rôle-là, c'est un cadeau. Jamais je n'aurais eu ça. D'abord, j'aurais jamais cru qu'on me le donnerait. Et donc, j'apprécie énormément, comprenez-vous? Parce que là, c'est une... Il va falloir que je gagne ça. En deux mots, l'histoire, peut-être, quand même. Hein. Oui. C'est une dame qui a de gros problèmes avec ses compagnies d'assurance. Elle est très âgée, je vous le dis tout de suite, pour qu'on n'y ait pas d'équivoque. Oui. Et elle a des accidents de voiture tous les deux jours. Aïe. Alors, son fils en a marre. Il dit, tu as ruiné ta compagnie d'assurance. Je vais te chercher... Alors, ça se passe en Amérique. Hein. Je vais te chercher un chauffeur. Et elle fait, ah non, ça sûrement pas. Et naturellement, il engage un chauffeur noir, bien entendu, qui est d'une beauté. Je ne vous raconte pas, ça, je le hais, alors celui-là. Quand il arrive, les dames font, oh, c'est agréable. Après, il faut prendre sa place. Hein. Stéphane Pétrin. Vous disiez qu'il y avait des familles où on vous aimait pas et des familles où on vous aimait bien. Moi, dans ma famille, tout le monde vous aime. Hein. Ma maman, mon papa, la grand-mère. Mes frères et mes sœurs. C'est vrai, en plus, tout le monde vous aime. Et à vous voir, je comprends assez bien pourquoi. Parce que vous avez de l'énergie, tout ça. Et je ne vous savais pas si modeste. Parce que faut dire les choses franchement. C'est quand même un métier le vôtre dans lequel il y a plein de gens qui sont confis d'égo, qui emmerdent le monde avec leurs caprices, tout ça. Et vous, vous arrivez, depuis tout à l'heure, vous répétez une seule chose, c'est. Je ne sais pas si ça va marcher. Bien, rien que pour ça, mais on a non, encore envie sûr. Que ça marche. Bien sûr. Allez, maître. Non, moi, ce qui me plaît surtout, c'est la cochonne qui est en vous. Je vous remercie, vous m'avez reconnu tout de suite. Oui, je mais vous ne savez pas comment j'ai été engagé pour faire et ça. Bah, oui, moi, je ne savais pas que c'est vous qui faisiez la voix. Ah, mon Kirby et tout. Elle était plus distinguée que pouvez ça. Pouvez-vous la faire encore? Ah, ça va pas, non. Vous ne savez pas que j'aurais parlé comme ça, non. Non, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on faisait 10 voix chacun. Carrel, Hernandez, Lax, Tornade et moi. Alors, je faisais Piggy, qui était la star, bien entendu, mais je ne vous ai pas dit comment on m'a engagé. C'est mon copain Carrel. Il m'a téléphoné un matin, parce qu'on avait déjà fait beaucoup de dessins animés ensemble. Il me dit, ma grande, on nous propose une série de marionnettes révolutionnaires. Il n'avait pas tort. Il y a là-dedans un personnage de grosse cochonne, folle de son corps et dont personne ne veut. On a pensé à toi. Je dis, d'accord. Hey. C'est dur, hein?
Cléopâtre, dans Astérix, c'est Cléopâtre. Oui, du temps où j'étais charmante, car je le suis. On m'avait, Monsieur Uderzo et Monsieur Goscinny m'ont choisi pour être Cléopâtre. Et dans Bèbe le cochon, vous avez fait quoi dans Bèbe le cochon? Eh bien, je faisais une vieille brebis à l'agonie. J'avais une très jolie scène, une seule, où il disait, oh, ne t'en va pas, mais... Et je faisais trop tard, pouf, et c'était fini. C'était vous, c'est pas grisant. Au cinéma, on vous a peu vu, hélas. Oui. Les titres de vos films sont particuliers. Hein, oui, mes films, faut pas exagérer non plus. Ah non, mais il y en a des... Ne m'attribuez pas tous les défauts. Non, je vous attribue pas tous les défauts, mais c'est des films plutôt marrants en même temps. Ah, bon? Ah si, quand même, il y a quelques chefs-d'œuvre. Ah. Il y a un Guitry, Si Paris nous était compté. Oui. Ah, ça c'est pas mal. Oui. Et vous savez ce que je fais dedans? Non. Non, bah, d'accord. Eh bien voilà, on voit une silhouette de loin, ça peut être ma concierge, hein. Et puis on entend « Ah, fiacre de trottinant jaune avec un cocher blanc ». Plouf, c'est fini. Mais la perruque, le métier. Mais j'ai eu la chance de rencontrer le regard de Monsieur Guitry, qui est un des premiers à avoir cru à la télévision. Tout le monde s'en foutait complètement. Lui, il connaissait, il n'y avait qu'une chaîne, il connaissait tous les jeunes acteurs. C'est extraordinaire, ça, quand même. Dans Vos gueules, les mouettes, ça, c'est avec les Branquignoles. Oui, alors, je faisais la femme du maire, qui était le gras. Alors là, en revanche, un film que je ne connais pas, mais alors le titre, je ne peux pas passer à côté. En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Très juste. C'était Jacques Ardoin qui avait fait ça. Oh, je faisais aussi une babiole, vous savez. Je ne sais même plus ce que je faisais. Et alors, pitié, peut-être. Il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse, parce qu'on a reçu l'année dernière, pour son dernier album, Stéphane Eicher. Je me souviens très bien que vous siffliez. Là, 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 là. Oui, je sais. Vous siffliez. Ben, il m'a demandé, ce pauvre sur garçon. Sur l'album de Stéphane Eicher. Ben, oui. Pourquoi, comment ça s'est fait la rencontre? Ah ben j'en sais rien, alors là, une stupeur totale pour moi. Nous sommes d'un monde, mon Dieu, assez différent. Oui. Et puis, il a donc écrit une chanson. Il allait enregistrer son CD. Et il a voulu, il a commencé à siffler. Ses copains lui ont dit, tu siffles comme une patate, il n'en est même pas question. Ils sont allés enregistrer à Bruxelles. Vous voyez comme c'est bizarre. J'ai fait, moi, mon CD siffler à Bruxelles. Très bien. Et il y avait le même technicien pour lui. Alors il lui a dit, écoutez, moi, je ne sais pas siffler. Il fait, eh ben, il faut prendre Micheline. Bon, donc on m'appelle, moi, hein, innocente comme je suis. Stéphane Eicher voudrait que vous veniez siffler. Comment? Siffler quoi? Et alors, j'ai eu l'idée qu'il ne savait pas du tout ce que je faisais. Eh oui. Il avait des excuses. Et alors, je lui ai fait écouter une chanson, il avait l'air hagard. Il n'attendait pas du tout ça. Alors, c'est un amour de garçon. C'est vrai. Quoi qu'il fasse, il me nomme. Ce qui n'est pas courant dans notre beau métier, je vais vous dire. Et en plus, là, vraiment, c'était complètement inattendu et superfétatoire. Waouh! Ah, ouais, j'ai du vocabulaire. Vous aimez jouer, je l'ai dit, parce que les jeux vous ont rendu populaire à la télévision, que ce soit l'Académie des Neufs, les Jeux de 20 heures ou le Francophonissime. À votre actif, vous n'avez pas encore le T'as qu'à finir. Il s'agit de compléter quelques phrases des déclarations faites par des personnalités que j'ai relevées dans la presse ce matin. On commence par Michel Serrault, avec qui vous avez joué, qui est à l'affiche d'un film qui s'appelle Albert est méchant. Il est avec Christian Clavier à l'affiche dans ce film qui sort aujourd'hui. Et Serrault dit, lorsque j'ai commencé les cours de théâtre à 16 ans, j'avais... 16 ans. Les illusions. Non. Les illusions, non. Une belle gueule. Non. Des cheveux. Non. Des cheveux. Imprudent. Non. J'avais des rôles de... Non, non c'est pas par rapport au rôle. Non, sûrement J'avais des femmes. Non, c'est plutôt pour dire, en fait, qu'il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Pas un roman. J'étais fauché. J'avais faim. J'avais faim, non. J'avais les crocs. Ça se voyait, c'était plutôt visuel. J'avais des trous dans les poches. Presque, je vous l'accorde. J'avais des poches perdues dans... Dans les pantalons. Dans mon pantalon, bravo Annie Lemoine. Bravo, bravo. Moi, j'aurais jamais osé dire ça. Je suis pas allé visiter, écoutez. Le président Chirac, maintenant, en personne, a déclaré lors de ses vœux à la presse « J'espère bien que mon petit-fils Martin apprendra... » À voter à gauche. Non. À m'apprendre. Apprendra à m'apprendre, non plus. À respecter son président. À respecter son président, non. Apprendra à quel fumer, homme je fume. À fumer. Non. L'anglais. Pas l'anglais. Le japonais. Non. Le chinois. Le russe. Non. L'espagnol. L'allemand. Bravo, Christophe Alévin. Ouais, ouais, ouais. L'allemand, oui, parce que... Je
Je vais vous expliquer pourquoi il a dit l'allemand, parce qu'il s'adressait à des journalistes allemands. Bah oui, ça aide, vous nous auriez dit ça avant, j'aurais compris. Forcément. Allez, Micheline Dax, on vous remercie d'être venue nous voir sur ce plateau. Vous êtes à l'affiche de Miss Daisy et son chauffeur. Redites-le, redites-le. Miss Daisy et son chauffeur au théâtre Saint-Georges. On se le dit. À partir du 24 janvier. Ce qui est dit, est dit. Merci Micheline Dax. Merci à vous.